Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13, voici les titres. Le mariage écolo est-il en train de se développer? Nous irons à la rencontre de Bakari et de Dienaba, accompagnée de Holly, organisatrice spécialisée. La fête du cochon en Bretagne, dans la cité médiévale de Dinan. La Bretagne, où l'agriculture bio gagne du terrain, nous le verrons, avec Pierre-Yves, éleveur de porc bio. Nous visiterons aussi l'exposition très attendue dans la région du célèbre photographe Red. Il met en relation la peau et notre imaginaire grâce à un superbe parcours sensoriel. Ça va, cow-boy ? Et puis la fin d'un mythe, c'est la dernière usine fabriquant des machines à écrire mécaniques. Devil Jack, située en Inde, ferme ses portes. Selon les spécialistes... Marianne a appelé. Viendra avec les enfants dimanche. Philippe a beaucoup de travail, il hésite encore. Enfin, la météo de votre après-midi, de la douceur toujours, mais la pluie arrive par l'ouest et traverse tout le pays. Les précisions complètes de Maria Sargasso à la fin de ce journal. Même le jour de son mariage, on peut donc penser à l'environnement et au développement durable. Dis donc, va falloir trouver une solution à tout ce bazar. Des produits cuisinés issus pour la plupart de l'agriculture biologique. Arrêtez de me regarder avec vos gros yeux. J'aime pas qu'on me regarde. Sortez de chez moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Arrêtez de me surveiller. C'est chez moi, ici. Vous n'avez rien à faire, là. Calme-toi, Alphonse. Ça va aller. Il est parti. Il reviendra plus. J'aime pas qu'on me regarde.